Dès le début de ce journal, nous prenons la direction du centre-nord et c'est par Boulsa, province du Namantenga, que la délégation gouvernementale a entamé sa tournée. L'ordre du jour étant de fournir plus d'explications sur les mesures sociales prises au nom de l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Le reportage est de Seydou Zon. Faire connaître aux populations les mesures sociales prises par le gouvernement, c'est la raison principale qui a conduit les ministres Dramane Yameyogo et Koumba Boly à Boulsa. Première étape de cette tournée dans le centre-nord. Face aux forces vives, les deux émissaires ont expliqué les raisons et l'importance de ces mesures sociales. Après la prise des mesures par le gouvernement, des mesures sociales de cette envergure qui en réalité embrassent une bonne partie de notre vie nationale, nous avons estimé qu'il était totalement indiqué que dans le cadre de la communication gouvernementale, que des missions du gouvernement se déplacent auprès des personnes qui sont concernées pour, n'est-ce pas, porter le message afin que le sens de ces mesures-là puisse être véritablement compris. Et je pense que ces missions se justifient en ce sens. Après, s'en est suivi des échanges qui ont permis à la mission gouvernementale de recueillir les préoccupations des populations. Une démarche bien appréciée. Je dois dire que c'est la première fois que nous avons vu tant de mesures sociales au niveau du Burkina. C'est vraiment important. Et on a vu également qu'il y a des catégories qui, depuis longtemps, n'ont pas eu autant d'augmentation. Et les mesures ne se sont pas arrêtées seulement aux travailleurs et aussi aux populations des villes qui peuvent parfois se soulever, mais ça a touché tout le pays. Et je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, la mission aussi, c'est une bonne chose parce que c'est un effort de communication. Nous avons constaté que ce gouvernement fait beaucoup d'efforts de communication. Ça permet de comprendre ce que le gouvernement est en train de faire. Mais nous avons compris aussi qu'en retour, il voudrait voir quelles sont les préoccupations des forces vives et des populations ici, ce qui est une bonne chose en vue des prochaines mesures. En tant que force vive, je crois que c'est une très bonne chose. Et du reste, ces mesures seront expliquées par la mission et la population prendra la valeur de toutes ces mesures-là qui ont été prises en faveur donc des populations au niveau du Burkina Faso. Et ce qui est plus important, c'est que le gouvernement a pris l'initiative d'aller vers les populations et leur expliquer ce qui a été pris et peut-être recueillir un certain nombre de conseils et d'autres préoccupations peut-être qu'ils n'ont pas pu prendre en compte afin qu'en l'avenir, cela soit pris en compte par le gouvernement. Bien avant, la mission gouvernementale a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses. La prochaine étape de la tournée est prévue à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord.